Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec une petite vidéo présentation de produits Nez Joli. J'ai reçu des produits Nez Joli que je veux vous montrer. Je vous mettrai le lien de la boutique sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que le lien, pas le lien, mais mon code promo. Mon code promo, c'est TXT10, tout en lettres majuscules. Ça vous donne 10% de rabais sur tous les produits à prix régulier. Donc, je vous montre les produits que j'ai reçus. J'ai choisi des petites gommes à effacer en forme d'animaux. Elles sont absolument adorables. Hors de question que je les utilise. Elles sont trop mignonnes. Ici, on a un tout petit oiseau tout mignon. Ensuite, j'ai un tout petit lapin avec de grandes oreilles. Il est super cute. Et ce que j'aime, c'est que les gommes à effacer sont en trois dimensions. C'est pas juste une gomme ordinaire. Ils sont vraiment en trois dimensions. Je vais essayer d'en sortir une. Et voilà. Donc, et la petite tête bouge. Je veux pas trop la bouger. J'ai peur de la casser. Mais c'est super cute. Donc, j'ai le petit oiseau. J'ai le petit lapin. Ici, j'ai un petit poisson. Ensuite, trop cute. J'ai un petit panda super mignon. Je vous mettrai bien sûr le lien de tous les produits que je vous présente sous la vidéo dans la barre d'infos. Et mon préféré, c'est le petit kangourou. Je vais le sortir pour vous le montrer. Il est adorable. Trop cute. Un petit kangourou avec son petit bébé dans sa poche ici. Donc, je vous le montre. Avec sa petite queue, il est vraiment trop cute. Ensuite, j'ai reçu deux racloirs pour faire le stamping Nez Joli. Ces racloirs-là, j'en avais déjà présenté avec le logo Bonne Pratique Store. C'est exactement la même chose. Ils fonctionnent super bien, je les recommande. Moi, je les adore, je m'en ai commandé plusieurs. Ensuite, j'ai aussi des plaques à stamping avec leur petite pochette toujours. Donc, on a la plaque Halloween. C'est la BP122. Elle est super belle. Elle arrive avec son film protecteur bleu. Et derrière, on a le logo Bonne Pratique Store. Donc, sur la plaque, on a un petit vampire, une citrouille, une petite toile d'araignée, un petit œil, c'est vraiment cute. Une petite maison ou un château hanté. Un petit fantôme trop mignon, je l'adore. Ici, on a ce qu'on appelle, je crois que c'est un Sugar Skull. Ici, je cherche mes mots, cercueil, oui. Et un motif qui fait tout l'angle, ici avec des petites citrouilles. Donc, on a ça. Et ensuite, j'ai deux plaques rectangulaires, comme ceci. J'ai la... c'est écrit en chinois, mais c'est la L016. De toute façon, je vais vous mettre... comme j'ai dit, je vous mettrai le lien direct. Elle arrive avec un film protecteur bleu. Ici, on a un plastique blanc en arrière pour éviter que la plaque soit tranchante. C'est une plaque super cute avec des petits chiens, des petits minous. Elle est vraiment super belle. Là, ce que vous voyez, c'est des traces de collant qu'il y avait après le plastique bleu, mais ça s'enlève très facilement avec de l'acétone. Donc, on a tout plein de petits motifs d'animaux. Ici, on a un petit bol à chien. Ça m'a trop fait rire, là. C'est un petit tas de merde. J'ai trouvé ça tellement drôle, là. Trop mignon. Et donc, voilà, on a tout plein de beaux petits chiens sur celle-là. C'est la L016, je crois. Oui, et ensuite, j'en ai une autre. C'est la L043. Celle-là, c'est avec des fleurs, des motifs de papillons et tout. Je la trouve super belle aussi. Je vous la montre plus en détail. Des super beaux motifs comme ça ici, j'adore. Ça, c'est super beau. Ça aussi, c'est vraiment, je l'adore la plaque. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai aussi commandé un vernis stamping. Je me suis choisi le Bourgogne ou Rouge Vin. Non, c'est plus Bourgogne. Il est vraiment super beau. J'ai très hâte de l'essayer. Donc, je vous le montre. Le pinceau est parfait, évidemment. La texture est bien aussi.
Donc, un super beau vernis à stamping. J'ai très très hâte de l'essayer. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos avec les plaques très très prochainement. Bon, celle d'Halloween, je vais attendre à l'année prochaine, mais pour ces deux-là, je vais les utiliser pour vous faire des nail art en vidéo. Moi, j'en profite pour vous inviter sur ma page Facebook de nail art qui s'appelle Luna Nail Art. Je vous mettrai les liens sur la vidéo dans la barre d'infos. Je vous mets aussi les liens de tous les produits que je vous ai présentés ainsi que mon code promo sur la vidéo dans la barre d'infos. Dites-moi ce que vous pensez de mes produits et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.